Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit de Microsoft Excel. Si vous voulez voir plus grand, autrement dit, dans une formation par exemple, vous avez jugé que l'écriture dans la barre de formule est petite. Et bien sûr, vous pouvez zoomer dans la feuille ici. Si je crée par exemple un petit texte, et vous voulez voir ça, suffit de faire CTRL, puis la touche, la roue de la souris en avant, et ça augmente. Mais la taille de l'écriture dans la barre de formule ne change pas. Donc, la solution, c'est que on va changer cette taille-là. Supposons ici que, par exemple, j'ai écrit cette formule-là aujourd'hui. Donc, si j'écris ici aujourd'hui, vous voyez, c'est la formule s'écrit, mais la taille de la police, elle est petite. Donc, on va faire OK. Ça ne change pas la taille de la police. Je peux changer la taille de la police de la cellule. Par exemple, comme ça, pas de problème. Mais la taille dans la formule ne change pas. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer Excel ou bien les options d'Excel. Donc, je fais Alt-O-O. Alt-O-O pour lancer option Excel. Sinon, je fais fichier et puis option. Fichier, option. Et donc, fichier, option, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le premier onglet, c'est général. Et ici, je vais dans l'heure de la création de classeur, la taille de la police. C'est ici que je vais changer cette taille-là. Par défaut, c'est 11. Par défaut, c'est 11. J'ai fait le zoom avec la touche Windows et plus. Je vais le changer ici. Par exemple, 25. Mais 25. Et bien sûr, je dois valider en bas avec OK. Excel me demande. Excel me demande quoi? Excel me demande la confirmation. Pour que les modifications de la police standard soient prises en compte, autrement dit, ce changement aurait lieu, je dois quitter et redémarrer Microsoft Excel. Bien sûr, pensez à enregistrer votre travail pour ne pas le perdre. Moi, ce n'est qu'un test, pas de problème. Donc, je fais OK. Je ferme Excel. Je ne vais pas enregistrer. Et puis, je lance Excel. Et vous allez voir, puis je lance Excel, et vous allez voir, la taille ici, elle est plus grande. Par exemple, si j'écris ici, bonjour, vous voyez, la taille ici, elle est plus grande. C'est très utile, par exemple, lors des formations. Si vous êtes en train d'écrire une formule dans la barre de formule, il n'est pas assez visible, bien, la taille de police, vous la jugez, c'est petit. Vous voyez ici, c'est plus gros maintenant, ici, plus joli. Donc, je fais ici, par exemple, maintenant, je fais cette formule-là, maintenant, entre guillemets, ne demande pas d'argument. Immédiatement, ça, c'est plus grand, c'est plus lisible. Donc, l'astuce, c'est, je fais Alt-O-O, je passe à Général. Je choisis la taille de police ici, lors de la création des classeurs. Un bonus, si vous voulez que Excel vous crée plusieurs fichiers vides par défaut, vous pouvez choisir le nombre ici, les nombres de feuilles. Ici, par défaut, c'est 1. Si vous voulez, par exemple, 24, bien, je fais 12. Si je fais 12 feuilles, pas de problème, vous faites OK. Il faut lancer Excel. Il faut lancer
Et vous lancez Excel. Vous voyez ici, vous avez par défaut 12 feuilles. Ça, c'est très pratique et c'est très utile. J'espère que cette vidéo vous est utile. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre abonnement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne et au plaisir dans d'autres vidéos.